modern snowboarding was born some 30 years ago and stems from a desire to have fun and to experiment. Elite snowboarders can rely on the support of worldwide sponsors to fully devote themselves to their sport. Today, the stakes are quite different. Moi, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est le tout pour le tout. Dire, je m'en vais là, mon but c'est de me rendre en finale. Puis rendu en finale, c'est vraiment le tout pour le tout. Je veux dire, j'ai une run en tête, c'est cette run-là que je vais essayer. Peu importe que je tombe mes deux premières runs, si j'ai trois runs, je vais l'essayer sur ma troisième. J'ai mieux terminé dernier que finir quatrième ou cinquième. At the Olympic Games in Sochi, a young Quebecer known all over the world will be among the favored to win gold in a whole new official snowboarding event, the slopestyle. Ribbit! Le snowboard est un sport quand même jeune, on s'entend. Par contre, ses origines vont quand même chercher assez loin. On a des images d'archives qu'on peut voir sur l'Internet, justement le ski bogging, qui était un ancêtre du snowboard, en fait, et des images qui vont chercher dans les années 40. Par la suite, on a un inventeur du Michigan qui s'appelle Sherman Poppin qui a inventé le snurfer. Le snurfer, ça a été breveté dans les années 60. Ça a été vraiment populaire. Il y en a eu des millions qui ont été vendus à travers les États-Unis. Mais par la suite, ça a donné vraiment l'idée à des gars comme Tom Sims sur la côte ouest et Jake Burton de développer un produit beaucoup plus intéressant qui a fait avancer le sport au cours des années 80. You want crazy little baby. You want crazy little baby. You want crazy little baby. Le snowboard, c'était un sport qui était en crise d'identité quand même pendant un certain temps. Évidemment, au départ, pour ce qui est de la compétition et les formats, on a pris quand même pas mal nos idées du ski, des compétitions de downhill, des compétitions de slalom, et ça donnait une scène qui était plus orientée sur le côté alpin du snowboard. Sur la côte ouest, la culture du surf et du skateboard était déjà développée depuis plusieurs années. Évidemment, ça l'a déteint un petit peu sur le snowboard et ça a créé une des premières scènes freestyle, en fait, qu'on a eues dans le monde du snowboard. Un petit peu plus tard, quand on a avancé du côté du skateboard où la rampe, les transitions, c'était hyper populaire et là, on a passé du côté du half-pipe en snowboard. On a toujours un petit peu copié ce qui se passait autour, mais de fil en aiguille, on est arrivé avec quelque chose d'un petit peu plus spécialisé pour le snowboard. La nouvelle discipline la plus populaire en ce moment va être ajoutée pour les Olympiques de 2014, c'est le slopestyle. Each slopestyle course is unique. It combines jumps with a series of rails. This approach benefits the public because the show varies from one competition to another. As for the athletes, they have to develop a range of skills and courses that allow them to be creative. Quand j'ai vu les premiers designs sur papier, j'ai le bon, ça va être vraiment intéressant, ça va être le fun, ça va être une bonne compétition. Le premier module, c'est vraiment un module qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les rues, dans les films de snow, un setup street qu'on appelle, avec des escaliers, des setups de rampe assez spectaculaires. Il y a des kinks, c'est un rail avec une double cassure. Il y a un down flat, que c'est un rail avec une cassure à la fin. On retrouve aussi des gaps, que c'est un saut pour aller chercher le rail. Avoir des sauts par-dessus, une genre de clôture pour aller chercher le rail. Le deuxième module, c'est un peu plus comme dans un snowpark normal parce qu'il n'y a pas d'escalier. C'est des setups de rail qu'on retrouve souvent dans les snowparks ici au Québec ou un peu partout au Colorado. Le troisième module de rampe, c'est un module de rampe qu'il faut arriver avec beaucoup plus de vitesse. Des rails que tu as de la hauteur par après. Puis t'atterris avec beaucoup de vitesse pour aller chercher le premier saut dans la descente. On va avoir trois jumps, c'est des très bonnes grosseurs, ça va dépendre aussi de comment ils vont les construire.
s'il y a plus de pop qu'on appelle, ça va donner un petit peu plus de temps dans les airs pour faire les figures que tu veux faire. Mon but, ça va être d'arriver avec des trucs vraiment techniques sur les rails, puis une descente vraiment spectaculaire sur les sauts qui va faire en sorte que je vais avoir un score complet d'une bonne note finalement. We will see the cream of the crop in snowboarding at Sochi, where we expect a heated battle between a dozen athletes, each capable of earning gold. Les athlètes à surveiller aux Jeux olympiques, il va en avoir beaucoup. Chaque pays a le droit de 4 athlètes maximum. Il y a Mark McMorris qui représente le Canada. Il est quand même assez comme moi. Il y a beaucoup de nouveaux trucs. Il est capable de les faire assez constant. L'année passée, il a eu assez de bons résultats. Torstein Ungmo de la Norvège, c'est lui le premier qui a fait un triple cork. C'est un athlète avec beaucoup de style, très bon en rail aussi. Du côté des États-Unis, Chaz Gilderman, vraiment bon. C'est un gars qui s'entraîne beaucoup. Il va faire la même run vraiment souvent. Fait que c'est un gars assez constant. Fait que c'est rare qu'on va le voir tomber. Éric Ouellet, c'est un gars peut-être un petit peu moins constant, mais qui a une variété de trucs assez favorable pour lui. S'il atterrit une run, habituellement, il fait très bien. Fait que finalement, je vais me retrouver à me battre contre d'autres radars que j'ai déjà compétitionné contre. Ça va être vraiment de voir qui ça va être sa journée, qui tombera pas sa pression, puis finalement, va remporter l'or. When we come back, the debut and progression of Sébastien Toutant, his first years as a professional, his rise to the international scene, the breakthrough of triple corks, and their effect on the sport. Depuis que je suis jeune, mes parents le disent, depuis que j'ai commencé à marcher, pour moi, je marchais tout le temps sur les chaînes de trottoir, je sautais les marches. Pour moi, jouer avec la gravité, je pense que je le fais depuis que c'est ça, que j'ai commencé à marcher. Je pense que j'ai commencé à skier, je pense à l'âge de 4 ans. Fait que j'ai été ministre des skis assez jeune. À l'âge de 9 ans, au printemps, j'ai cassé mes skis. Là, mes parents ne voulaient pas m'acheter un autre paire de skis parce qu'ils disaient que je grandissais trop vite. Fait que finalement, j'ai eu besoin de prendre le snowboard de mon frère qui n'utilisait plus. La première avant-midi, je suis allé faire du snow. J'ai vraiment pas aimé ça. Je regardais tous mes amis qui allaient dans le snowpark. Moi, j'étais dans une petite piste à essayer de descendre. J'avais de la misère. Ma mère m'a beaucoup aidé juste à m'expliquer un peu le concept. J'ai compris comment descendre. Le lendemain, j'étais rentré dans le snowpark, je commençais à faire des petits sauts. Finalement, pour moi, le ski, ça n'existait plus. Je radais tout le temps à Val-Saint-Côme à chaque fin de semaine. Je pouvais rader deux fois semaine aussi. Max Hénault, il m'avait contacté. Il avait entendu que j'étais un bon athlète. Puis c'est de là que Max a comme commencé à me donner beaucoup de trucs. Fait qu'on ridait ensemble. Lui, il faisait un truc, ça me challengeait à le faire. Fait que finalement, ça a été un apprentissage qui m'a beaucoup aidé à devenir meilleur à un si jeune âge. Puis à l'âge de 13 ans, c'est là que j'ai fait ma première grosse compétition qui était le Ride Shakedown. The Shakedown is the biggest snowboard competition in Canada. In his first appearance at the age of 13, Sébastien Toutant looked like a kid beside other professionals that are, for the most part, in their 20s. Puis là, lui, c'est sa première compétition, là, vraiment, avec des gars qui gagnent leur vie avec ça, puis que c'est des gars de 20 ans, puis ça roule, puis ça fine toute l'année. Puis il fait la demi-finale, puis il se classe parmi les 12 premiers. On arrive en finale, puis là, c'est le suspense. Qu'est-ce qu'il va faire, Seb? C'est là qu'on a vu que Seb, il avait du caractère, il est arrivé, a parti plus haut que les autres, puis il a atterri ça plus loin que tout le monde, bien à plat, boum, direction le rail, il fait son board slide. C'est là que là, le feu a pris, où est-ce que tout le monde a crié, il pensait que le toit de Saint-Sauveur allait s'effondrer tellement que ça criait. Je me sentais comme dans un rêve, vous voulez aller, je réalisais pas. Qu'est-ce qui venait vraiment de se passer? Comment ça se fait que t'es arrivé à un niveau si élevé rapidement? Tu sais-tu? T'as-tu un truc? Mais je sais pas, là, je trouve. J'avais peut-être ça dans le sang quand je suis né, je sais pas. Whether fluke or real talent, Sébastien Toutant's victory at the Shakedown creates a wave of interest around him.
sponsors manifest themselves. The young snowboarder must prove himself. In the summer of 2006, he goes to Mount Hood in Oregon to take part in his first professional shoot. C'était la dernière journée de shooting à Mount Hood. On a fait un sunset shoot au coucher du soleil. J'étais comme vraiment wow, je ne vois du potentiel. T'sais, les vieux de la vieille avaient la misère à faire des 900. Seb, il avait 13 ans, il faisait déjà des 900. Ouais, il va avoir une grande carrière. Rendu en haut à regarder les caméras, regarder ma mère en bas qui me regardait, je me suis vraiment senti à ma place. Je me suis vraiment rendu compte que c'était ça que je voulais faire de ma vie, puis que c'était ça que j'allais travailler fort pour les prochaines années. Finalement, ça a vraiment porté fruit. At the 2008 Ride Shakedown at home in Quebec, Sébastien Toutant executes a double cork to perfection. It was a trick that no one had ever tried in competition before. On est prêt à voir un double cork. OK, rien d'autre que ça, là. Backside 1080, double cork. On fait du bruit, du gros bruit. Bouillaka! Wow! Puis là, ça a été wow. C'est que ce qui est le fun avec Seb, c'est que ça a l'air tellement facile. Le cork, c'est un truc qui a été, je te dirais, popularisé au cours des années 90, mais d'en voir deux, évidemment, bien là, ça demandait tout un challenge. On a eu des athlètes comme David Benedek qui ont fait les premiers double cork. Ces trucs-là ont fait vraiment fureur dans les films de snow. Après, on a commencé à les voir dans les compétitions. Moi, j'ai inventé le backside double cork 1080. Un double cork, dans le fond, c'est un truc désaxé. Ta tête n'a pas nécessairement besoin d'être en dessous complètement, jusqu'à ce soit de côté, ça fait en sorte que c'est un cork. Deux tours et demi, ça serait le plus petit double cork que tu pourrais faire. Jusqu'à aller, ça peut aller jusqu'à 1440. Il n'y a pas de limite, finalement. It's a revolution in the sport. The race to corks ignites a new level of progression in snowboarding. In 2011, the next stage is reached. The first triple cork is successfully performed in competition. Always on the front lines, Sébastien Toutant is the third athlete to execute that same trick, still the hardest to date. Athletes continue to push the limits, but not all are convinced that the quadruple cork is the best thing for snowboarding. Je pense que ça va être vraiment au juge de décider de mettre l'emphase sur le style, sur la difficulté du truc, et non seulement sur le nombre de tours que tu fais sur toi. When we come back, we summarize Sébastien Toutant's pre-Olympic year. We follow him step by step along the professional circuit. We take part in his training and make Olympic projections. Dans une année de compétition pour un athlète de calibre international, évidemment, c'est un incontournable les X Games, le Dew Tour, le circuit TTR et le Burton Open Series. Mon année de 2013, je voyais ça comme faire le plus de compétitions possible, gagner le plus d'expérience possible. Je savais que 2014, ça allait être les Jeux Olympiques. Fait que pour moi, c'était comme une année de prendre tout ce qui passe. 2013, Sébastien Toutant's pre-Olympic year was eventful to say the least. A year marked by an injury, some disappointments, victories, and a lot of experience gained along the way. He also tested a new way of working alongside filmmaker Matthew Cohen, who now follows him everywhere in order to film his performances, and to then use the recordings to refine his tricks and technique. Moi, depuis 1999, je tourne des films de snowboard. Puis depuis deux ans, je suis son caméraman à plein temps. Fait que c'est vraiment juste moi qui le suis, qui filme avec lui à toutes les trips. Vraiment, t'allais en Ontario, il y avait beaucoup de neige. On a filmé un gros édifice que j'avais descendu au complet, fait que ça a super bien commencé. Après ça, on a été faire un gap to rails. Puis quand tu veux faire un saut avec ta neige granuleuse, c'est pas un bon bien. Ça allait super bien jusqu'à temps que le jump a comme cassé. J'étais sûr que ça avait cassé la mâchoire, là. Ma journée, elle s'est arrêtée là. Mon genou est venu vraiment, vraiment enfler. J'avais la mâchoire un petit peu endolorie. Puis deux semaines après, ben, je m'enlignais déjà pour d'autres compétitions. Finalement, mon genou avait désenflé beaucoup, mais n'était pas devenu à 100%, mais j'avais plus mal.
Fait que je suis arrivé à Davos, finalement tout allait bien. Ça m'a pas empêché de rider. Ma descente était vraiment parfaite. J'étais sûr de passer à la prochaine round, mais finalement les juges ont décidé que l'autre athlète avait fait une meilleure run que moi. C'était un peu décevant. Écoute, c'est sûr, regarde, on se fait juger par des humains. Les X-Games, c'est la compétition fétiche pour les snowboarders. Pour nous, c'est notre jeu olympique qui se passe à chaque année. Pour des pratiques, ça allait super bien, là. Il atterrissait toutes ses runs. Les X-Games, pour moi, ça a pas bien été. Des journées comme ça, mais j'ai sorti de là avec un nouveau truc. J'ai appris double backside rodeo, 1260. Je suis un des premiers dans le monde à l'avoir fait comme ça. Fait que pour voir le positif, ça c'est ma mère, mes parents qui m'ont dit ça. Je pense que je suis sorti avec plus d'expérience, de savoir qu'est-ce que j'ai fait, que j'aurais dû faire pour améliorer mes performances. La prochaine étape après l'X Games, j'ai volé en Autriche pour le Billabong Ehrenstahl. Une compétition sur échafaud, une compétition de Big Air. Ça a super bien été. Écoute, j'ai passé toutes les rounds, je me suis rendu en finale. J'ai terminé deuxième. En plus, avec le TTR, j'ai gagné le trophée de la personne qui a ramassé le plus de points. Fait que c'était moi qui étais déclaré champion en titre pour le Big Air cette année-là. Fait que j'étais vraiment content de gagner un trophée TTR comme ça. Après le Ehrenstahl, je suis super confiant. Je suis retourné au Colorado pour le US Open. J'étais pas chanceux. J'ai pas atterri mes runs. Je m'étais pas qualifié. Il y a eu l'X Games, je me suis pas qualifié. Il y a eu cette compétition-là, je me suis pas qualifié. Puis c'est les deux pas mal plus gros slopestyle que finalement tu veux faire bien, puis ça a pas bien été. Yesterday, since I didn't make it final, my filmer Cohen told me I had to do all kind of 270 on a downrail, so might as well just start it right now. J'ai comme oublié un peu l'aspect compétition. On dirait que je suis redevenu dans une zone de film. Je suis redevenu avec le sourire. J'avais vraiment retrouvé le goût de continuer de rider, de finalement me rendre compte que c'était pas plus grave que ça. Puis c'est là qu'il avait réussi ses switch backside 2 lips, qui est le truc le plus dur en rails. Puis là, maintenant, c'est drôle parce que depuis qu'on a fait ce shooting-là, il utilise ce truc-là en compétition. OK, zéro pression. On recommence comme si rien s'était passé. On recommence comme si ça serait la première compétition de l'année. Je me suis rendu en France pour les X Games d'Europe. Deuxième run, avant de dropper, j'étais déjà premier. Puis j'avais zéro stress. J'y allais le tout, je me dis, garde. La seule affaire que je pourrais faire mieux, c'est d'avoir un meilleur score, sinon on s'en fout. J'ai droppé, j'ai fait une de mes meilleures runs que j'ai jamais faites en slopestyle. J'ai fait mon triple cork en plus dans ma run, qui m'a donné finalement la victoire au X Games en Europe. Fait que pour moi, ça m'a vraiment prouvé que finalement ma recette, c'était de m'amuser, de pas penser à la pression. Je suis revenu au Québec, j'avais un certain temps avant que le shakedown arrive. Vu que pour moi, les films, c'est vraiment important, moi et Mathieu, on a décidé de filmer des rails de rue. L'entraînement dans des snowparks et l'entraînement dans les rues, c'est deux choses différentes. Le truc que j'ai pratiqué dans les films de snow, que je vais refaire dans une compétition, va sûrement être plus parfait que si je ne l'aurais pas essayé dans les films de snow. Puis après, il y avait le shakedown au Mont-Saint-Sauveur. J'étais vraiment confiant. On dirait que j'étais rendu sur un autre mode. J'étais vraiment relax, décontract. Je pense que c'est une des fois que j'ai radé le mieux de l'année. Tous mes trucs que je faisais, j'atterrissais tout. Contrairement à tous les événements que j'ai fait cette année-là, j'avais zéro stress et j'ai jamais aussi bien radé de toute la saison. At the end of this busy season, to let off some steam without losing his form,
Sebastian chooses to combine holidays and training by venturing to the American West Coast to take advantage of mountains high enough to be covered in snow during the warm season. Marked by humor and relaxation, this well-deserved break allowed him to refuel for the important 2014 season that promises an Olympic year where athletes dare to dream. C'est sûr, cette année, ma mentalité par rapport aux Jeux Olympiques, pour moi, de faire moins de compétitions fait beaucoup de sens. Fait que j'ai décidé de faire le Dew Tour. Le Dew Tour, je vois ça comme une compétition un peu préparatoire pour les Jeux Olympiques. Je vais voir un peu le niveau que les autres athlètes ont, puis ça va m'enligner un peu à ce que je vais avoir besoin de faire pour les Jeux Olympiques. Après le Dew Tour, ça va être les X Games en fin janvier. Puis finalement, je vais me retrouver aux Jeux Olympiques plus vite que je le pense. La force à Sébastien, c'est son caractère puis compétitif. Pour les Jeux Olympiques, j'espère juste qu'il va gagner. Je pense que ça va être vraiment de juste passer les qualifications puis rendre en finale. Mon travail va avoir été fait puis ça va être vraiment cette fameuse run que je vais avoir rêvé depuis tout ce temps-là que j'espère que ça va prendre vie là-bas à Sochi en 2014.